Candy, je suis ton amie et je pense à toi. Tu n'es pas seule dans la vie, je suis là, ne l'oublie pas. Ma chère Dorothée, voilà, c'est arrivé. Je suis en route pour l'Angleterre. Les côtes américaines disparaissent à l'horizon. Et moi, je suis à l'aube d'une vie nouvelle, voguant sur un superbe paquebot transatlantique. Je t'écris de ma cabine. Capucin regarde la mer par le hublot. C'est bizarre pour un raton laveur, mais j'ai l'impression qu'il n'aime pas beaucoup l'eau, et surtout l'eau salée. Il y en a trop. Toute la journée, je rêve à mon avenir. Ce sont Archibald et Alistair qui ont persuadé Tante Elroy de m'envoyer faire des études à Londres, dans le fameux collège où ils sont déjà. Tante Elroy a dit « Reviens-nous une vraie Lady Candy ». Lady Candy, j'ai trouvé ça très drôle. Quittant l'Amérique, je me sens encore plus séparée de mon cher Anthony. J'ai l'impression de l'abandonner. La seule bonne chose, c'est que je mets l'océan entre la famille Legrand et moi. Quel soulagement! Chère Dorothée, Capucin me fait signe qu'il a un besoin impérieux d'aller se promener sur le pont supérieur. J'espère que nous passerons inaperçus. Alors je te quitte. Je t'écrirai plus longuement pour te raconter mon voyage et mon arrivée en Angleterre. Archibald et Alistair ont promis de m'attendre à Southampton. Oh, chic alors. Je t'embrasse de tout mon cœur. Candy. Dorothée, je reprends tout de suite ma lettre, car il vient de m'arriver une aventure extraordinaire. Non, non, Capucin n'y est pour rien, mais j'ai rencontré un garçon qui ressemble à Anthony. J'étais sur le pont quand soudain, j'ai cru voir Anthony, accoudé au bastingage. Il y avait un peu de brume, tout devenait imprécis, car le soir tombait sur l'océan. Le garçon était immobile, le regard perdu dans le lointain. Je me disais, oh, c'est impossible que ce soit mon prince des collines. Oh, j'avais le cœur qui battait. Et puis soudain, le brouillard s'est dissipé et j'ai vu qu'il était plus grand qu'Anthony et que ses cheveux étaient très bruns. Je me suis approchée de lui. Mais essaye d'imaginer la scène. Je lui ai dit, Mais vous pleurez? Qui êtes-vous? Que me voulez-vous? Je suis montée sur le pont pour prendre l'air. Je vous ai vu et j'ai eu envie de vous parler, c'est tout. Vous avez l'air si triste. Moi? L'air triste? Vous avez des visions? Et vous avez aussi plein de taches de sang sur le nez. Quoi? Répétez un peu ce que vous venez de dire. Vous avez le visage plein de taches de sang, voilà, je l'ai répété. Vous êtes contente? Eh bien, bonsoir. Là-dessus, il a quitté le pont et a disparu. Je me demande qui il peut être. Il pleurait, j'en suis certaine. Pourquoi a-t-il été si agressif avec moi? Après cette rencontre, j'ai fait un affreux cauchemar. J'ai revu en rêve l'accident d'Anthony et je me suis réveillée en larmes. Oh, Dorothée, il me semble que ce drame me poursuivra toujours. Je t'embrasse tristement. Candy. Candy! Candy, tu as du courrier. Candy, il y a une lettre pour toi. Oh, chic alors. Donne vite. Oh, c'est de Dorothée. C'est la réponse à ma lettre écrite sur le bateau.
Ma petite Candy, quand tu recevras cette lettre, tu auras depuis longtemps touché au rivage d'Angleterre. Je souhaite que tu y sois la bienvenue. Au collège, tu vas avoir une vie nouvelle et enrichissante. Oh là là, si elle savait, je lui réponds tout de suite. Les études que tu vas faire sont très importantes et tu en tireras profit dans l'avenir. Nous serons alors tous fiers de toi, Lady Candy. Ce voyage, loin de ton pays, de ton passé, va t'aider à oublier le souvenir obsédant d'Anthony. Il faut regarder devant soi, petite Candy, et ne jamais s'enfermer dans le passé qui parfois vous paralyse et vous empêche d'agir. Quant à cet étrange garçon rencontré sur le bateau, ça n'est sans doute qu'un incident de voyage et puis, pour tout te dire, je le trouve pas bien méchant. Il t'a appelé tache de sang ? Ce n'est qu'une petite moquerie de rien du tout. Peut-être même un compliment. J'aime beaucoup les enfants qui ont des taches de rousseur. Pouf, pas moi. Et je ne suis pas la seule. Écris-moi vite. J'ai hâte de savoir ce qu'est ta vie au collège. Je t'embrasse très fort, Dorothée. Ma chère Dorothée, il m'est arrivé tant de choses au collège que je ne sais par où commencer. Archibald et Alistair m'attendaient comme prévu à la descente du bateau. Après la joie des retrouvailles, sais-tu ce qu'ils ont osé me suggérer ? Tout simplement de m'accompagner au parc zoologique pour y mettre Capucin en pension. J'étais stupéfaite. Ils m'ont dit que le règlement du collège était très strict et qu'il était absolument interdit d'y entrer avec un animal. Alors moi, j'ai dit à Capucin, « Fais le mort, mon chéri, comme tu sais le faire. » Et je te fais passer pour un col de fourrure sur mon manteau. Il l'a fait. Mais quand il a entendu la voix de la mère supérieure, il a pris peur. Et il s'est enfui dans le parc. Ah, bon début pour moi, tu t'en doutes. Cela fait un scandale. Oh, la discipline est épouvantable au collège. Et si tu voyais les murs, c'est une vraie prison. Heureusement, je me suis fait une nouvelle amie qui est ma voisine de chambre. Elle est très gentille et s'appelle Patricia. Mais on l'appelle Patty. Mais j'ai eu aussi une très mauvaise surprise. Je me croyais délivrée à jamais de la famille Legrand. Eh bien, écoute un peu. Mais c'est Candy. Bonjour, chère Candy. Mes amis, je vous présente Candy, qui était fille d'écurie en Amérique. Oh ! Que fais-tu ici, Candy ? Elisa ? Ça alors ? Je ne pensais jamais te revoir. Écoutez, mes amis, je ne vous ai pas tout dit. Elle a aussi été abandonnée toute petite par ses parents qui n'en voulaient plus. Oh, oh. Mais c'est pas possible. Et puis elle a failli tuer quelqu'un. Oh. Moi, j'ai failli tuer quelqu'un qui a failli tuer Anthony. Tu l'as déjà oublié ? Comment oses-tu dire une chose pareille ? S'il reste infirme pour toujours, ce sera de ta faute. Tant de méchanceté me désespère. J'ai raconté l'histoire d'Anthony à Patty, qui a compris comment tout est arrivé et a tenté de me consoler. Elle m'a conseillé d'éviter de répondre à toutes les allusions d'Elisa. Oh, quand je pense qu'elle prétend être une vraie jeune fille du monde. Si c'est cela, je préfère demeurer une pauvre sauvageonne. Tu vois, Dorothée, le passé me poursuit. Écris-moi vite. J'ai besoin d'un peu d'amitié. Je t'embrasse. Candy. Bonjour Candy. Je veux commencer ma lettre en ne retenant d'abord que ce qu'il y a de drôle dans la tienne. J'ai adoré l'histoire de Capucin transformé en col de fourrure. Pauvre petit raton laveur. Il devait avoir des crampes jusqu'au bout des pattes, non ? Tu ne me dis pas ce qu'il est devenu. Il vit dans le parc sans doute et est fort heureux loin de la grosse voix de la mère supérieure qui lui a fait si peur. Mais y a-t-il un cours d'eau ou un étang dans ce parc ? Et as-tu le moyen de t'y promener pour le caresser quelquefois ? Mais revenons aux choses sérieuses. Archibald et Alistair étant au collège, il était prévisible qu'Elisa y fût aussi. La famille Legrand, si pointilleuse sur les bons usages, sait que l'éducation anglaise passe pour la meilleure du monde. Madame Legrand a peut-être pensé que la discipline ferait le plus grand bien à sa fille chérie. Peut-être aura-t-elle raison à la fin. Oh, c'est pas vrai, elle est restée une peste. Ne te mets pas en colère. Montre-lui que tu peux opposer le calme et le mépris à toutes ces calomnies. Évite-la. C'est une enfant gâtée et jalouse.
Tu le sais depuis toujours. Bien sûr que je le sais, mais c'est bien difficile de ne pas perdre son sang-froid. Patricia me paraît être d'un bon conseil. C'est bien agréable de se faire de nouveaux amis. Voilà ce que j'appelle se tourner vers l'avenir. Peu à peu, ta nouvelle vie, avec ses joies et ses soucis, te fera oublier ceux du passé. C'est cela grandir, ma petite Candy. Allons, un grand sourire et un peu de courage et tout ira bien. Je t'embrasse très fort, Dorothée. Ma très chère Dorothée, je t'écris en cachette. Je suis en classe, mais je m'ennuie. Je crois que je ne suis pas douée pour devenir une lady. J'attends les vacances avec impatience. Deux grandes nouvelles. Annie est au collège. Et aussi l'étrange garçon rencontré sur le bateau. Il s'appelle Terry. Oh, tu peux imaginer ma joie quand j'ai retrouvé Annie. Au début, elle ne voulait pas qu'on sache qu'elle était orpheline. À mon avis, elle a tort. Ce n'est pas déshonorant. Bien sûr, l'horrible Elisa a raconté notre histoire dans tout le collège. Annie et moi, nous avons fait front. Après tout, c'est formidable que M. Brighton ait adopté Annie. Quant à Terry, c'est un garçon qui peut être très gentil, puis très méchant à l'instant d'après, sans raison. Lui aussi a du mal avec la discipline, comme moi. Il paraît qu'il fume en cachette, tu te rends compte? Je ne le comprends pas. On dirait qu'il a un secret à cacher, un secret qui lui fait mal. Je lui ai offert un harmonica. Oh, je ne résiste pas au plaisir de te raconter cette histoire. Dès qu'il m'a revu, il m'a dit... Bonjour, tache de son. Ah, vraiment, tu tiens à ce nom. Et d'abord, ne fume pas sous cet arbre. Et pourquoi donc, mademoiselle? Parce que je ne le veux pas, et voilà. C'est la maison de campagne de Capucin, et je ne veux pas qu'il soit intoxiqué. Il n'a qu'à changer d'arbre. Moi aussi, c'est ma maison de campagne. Qu'est-ce que tu caches derrière ton dos, Candy? Un harmonica. Oh, mon instrument préféré. Tu me le prêtes? Je te le donne, c'était pour toi. Joue-moi quelque chose, Terry. Depuis ce jour, Terry joue souvent de l'harmonica dans le parc et même dans les couloirs du collège. Et cela met Archibald et Elisa dans des colères noires. Je ne sais pas pourquoi. Annie aussi me fait des reproches. L'autre jour, elle a même été méchante. Tu as toujours été plus aimée que moi, même chez Mademoiselle Pony. Je m'en souviens, tu me prenais tous mes petits amis. Mais c'est faux, Annie. Je suis plus exubérante que toi, c'est tout. Je manifeste davantage mes sentiments, mais pour rien au monde, je ne voudrais te faire du mal. Je ne la comprends plus, Dorothée. Est-ce parce que nous grandissons et que nous sortons de l'enfance? Dis-moi ce que tu en penses. Ta Candy. PS. Ne t'inquiète pas pour Capucin. Il y a dans le parc un grand bassin de pierre. Capucin est heureux, comme un vrai raton laveur. Ma grande petite Candy. Je ne veux pas croire que tu ne comprends rien aux sentiments de tes amis. Annie, par exemple, n'a jamais été méchante envers toi, mais elle a toujours eu beaucoup d'affection et de tendresse pour Archibald. Mais Archibald, lui, ne s'intéresse qu'à toi, et il le montre bien. Alors, Annie souffre de n'être pas sa préférée. Comme toi, elle est presque une jeune fille. C'est vrai, Annie a beaucoup changé. Et Archibald, qui t'aime tant, est sans doute un peu déçu de te sentir si proche de Terry. Je crois tout simplement que tous tes camarades de collège sont un peu jaloux de vous voir faire bande à part. Alors, tu peux admettre que cet harmonica les agace? Tout cela ne me paraît pas bien grave si tu t'emploies à partager ton affection avec plus de générosité. Il n'y a qu'un moyen de bien aimer ses amis, ma petite Candy. C'est de toujours essayer de les comprendre. Je t'embrasse tendrement, Dorothée. Dorothée, au secours! La mère supérieure est très sévère et injuste. Je suis punie. Archibald s'est battu avec Terry, parce que Terry lui a dit que les Américains étaient tous des sauvages. La mère supérieure a puni Archibald en l'envoyant réfléchir et prier dans la salle de méditation. C'est terrible, Dorothée. C'est comme une prison du Moyen-Âge. On est tout seul, totalement coupé du monde. Il y fait sombre et humide. Alors, avec la complicité d'Annie, j'ai voulu aller lui parler.
Et là, j'ai été surprise par la mère supérieure. Elle a dit de sa grosse voix, « Vous ne partirez pas en camp d'été en Écosse. Vous resterez ici, sous bonne garde. » Oh, Dorothée, je suis désespérée. Je n'ai plus le courage d'écrire ce soir. Je terminerai cette lettre plus tard. Une bonne nouvelle ce matin, Dorothée. La punition a été levée. Je vais partir pour les classes d'été en Écosse, le pays des cornemuses. Je veux aller à la découverte de ce pays magnifique, avec Annie, Archibald et Alistair. Et peut-être Terry, je ne sais pas. Oh, je dois faire ma valise vite, je t'embrasse fort. Réponds-moi, le collège fera suivre ta lettre. Petite Candy, le proverbe a raison qui dit qu'après la pluie vient le beau temps. Voyons la pluie d'abord. Certes, tu es surprise par l'éducation anglaise. Elle est bien plus sévère que l'éducation américaine. Mais elle a aussi la vertu de former le caractère de ceux et de celles qui la subissent. Oh, ça oui. Après tout, si Terry et Archibald avaient su dominer leur colère, ils n'auraient pas été punis. Venons-en au beau temps maintenant. La mère supérieure est moins inhumaine que tu sembles le dire. Elle a obéi à son bon cœur. Ces camps d'été doivent être exaltants. Faire du sport, vivre ensemble et apprendre à se connaître, découvrir chaque jour un nouvel aspect du monde, comprendre, étudier, c'est merveilleux. Moi, j'aurais beaucoup aimé faire mes études dans un grand collège anglais. Alors, mesure bien la chance qui t'est offerte et ne gâche pas ton bonheur par une critique un peu systématique. Je t'embrasse tendrement, Dorothée. Oh, Dorothée, ce pays est merveilleux. Tout y est vert. Je ne savais pas qu'il pouvait y avoir tant de nuances dans cette jolie couleur. J'habite un petit village près de la capitale, Édimbourg. Il y a une colline dont les pentes douces et harmonieuses me font penser au paysage de la maison de Pony. Et tous les garçons jouent de la cornemuse. Et il m'est arrivé une aventure extraordinaire. J'ai rencontré par hasard la mère de Terry. C'est une très grande actrice de théâtre, Éléonore Baker. Elle est si belle qu'elle me fait penser à une reine. Archibald et Alistair collectionnent toutes ces photographies qui paraissent chez nous, dans les journaux américains. J'ai ainsi appris le secret de Terry. Écoute un peu. N'insiste pas, Candy, je ne veux pas la voir. Cette femme n'existe plus pour moi. Mais c'est ta mère, et elle t'aime. Et elle est venue d'Amérique exprès pour te voir et te parler. C'est trop tard. Elle m'a repoussé quand j'étais petit. Elle ne voulait pas compromettre sa carrière à cause de moi. Je n'ai pas de mère. Je ne suis que le fils du duc de Grantchester. Je t'en supplie, moi qui n'ai jamais connu ma mère. Je te le dis, accepte de la voir. Oublie le passé. Mais c'est toi qui oses me dire cela? Toi qui es incapable d'oublier ton Anthony? Il est loin, il a sûrement cessé de penser à toi. Et tu ne peux en faire autant. Anthony... Ouvre les yeux tout grands, Candy. Regarde devant toi. La vie est la plus forte. Les souvenirs doivent toujours laisser la place à la réalité, et la réalité, c'est le présent. Et puis, il m'a donné un baiser très doux sur le front. J'en étais tout émue. Dorothée, est-ce que tu penses que c'est très mal et que je n'aurais pas dû accepter? Je suis un peu tourmentée. Réponds-moi vite. Ma petite Candy, comme tu as de la chance d'avoir pu approcher une si grande actrice, si j'en juge par ses portraits, elle est en effet très princière. Cela va peut-être provoquer chez toi l'envie de faire du théâtre. C'est ainsi, dit-on, que naissent souvent les vocations. Si ce que dit Terry est exact, je comprends son jugement sévère à l'égard de sa mère. C'est souvent le sort des enfants dont les parents font des carrières semblables. Pauvre Terry et pauvre Éléonore Baker. Tous deux doivent être malheureux. C'est bien d'avoir tenté de réconcilier Terry avec sa mère. Continue à agir dans ce sens. Pour l'heure, accepte l'affection de Terry. C'est si gentil un petit baiser. En fait, je devine que tu n'as pas dû être tellement contrariée par ce geste. Moi aussi je t'embrasse, Dorothée.
Ma chère Dorothée, les vacances se terminent. Tu avais raison, c'est drôlement difficile de grandir. Seule Patty semble parfaitement heureuse, car Alistair est très gentil avec elle. Mais Archibald et Terry ont continué à se faire la guerre. Et Annie est triste. Ils se sont réconciliés le temps de réparer un petit avion. Mais j'ignore ce qui se passera entre eux au retour au collège. Quant à moi, je doute toujours de la sincérité de Terry. Et souvent même, je suis révoltée par son caractère, ses sautes d'humeur à mon égard. La seule chose dont je sois fière, c'est qu'il a fini par accepter de faire la paix avec sa mère. J'ai compris que le sentiment filial est un sentiment très profond. Ce sentiment m'est hélas interdit et me manquera toute ma vie. Je suis comme une plante sans racines ou comme un bouquet de bruyère arraché à sa terre. Il y en a beaucoup ici et j'en coupe tous les jours pour fleurir tous mes amis. Dans 5 jours, je serai à nouveau enfermée dans ce terrible collège. Mais au moins, je pourrai penser à ces surprenantes vacances. J'aime cette terre d'Écosse. Je t'embrasse, ta grande Candy. Ma petite Candy, ce mot très bref pour bien t'encourager à la patience au collège. Sois tolérante avec tes camarades. Personne ne ressemble à personne. Tu as encore gagné en réussissant à réconcilier Terry avec sa mère. Bravo! Tu montres de réelles qualités de cœur dont nous sommes tous fiers. Tendrement à toi, Dorothée. Ma chère Dorothée, Elisa n'est pas seulement une enfant gâtée, c'est un vrai monstre. Elle nous a tendu à Terry et à moi un piège épouvantable. Mais il faut que je t'explique tout depuis le début. 3 jours après notre retour au collège, j'ai reçu un mystérieux billet signé de Terry. Candy, j'ai à te parler, c'est très important. Je t'attendrai ce soir à 8h près de la grande écurie. Déchire ce mot après l'avoir lu. J'ai tout de suite pensé qu'il voulait me parler de sa mère. Et le soir, je suis allée en cachette au rendez-vous. Il y était aussi. Il avait reçu le même billet signé de moi. Or, ni lui ni moi n'avions écrit ces petits mots. Nous nous posions 1000 questions sur l'auteur de ces 2 billets quand soudain, la mère supérieure a surgi de l'ombre. Et derrière elle, Elisa. Vous voyez ma mère, il s'en trouve ici toutes les nuits. C'est faux ma mère, Elisa nous a tendu un piège. Questionnez-la, elle ment. Hélas, la mère supérieure n'a même pas voulu écouter nos explications. Terry est consigné dans sa chambre et moi, je vais être renvoyée du collège. En attendant ce renvoi, je suis enfermée au cachot. Je sais bien que pleurer ne sert à rien, mais me voici une fois encore désespérée. Que dois-je faire, Dorothée, ta Candy? Pauvre Candy. Elisa a passé les bornes avec ses dernières calomnies. Mais la vérité éclate toujours. Je ne peux pas croire que tu sois renvoyée du collège pour une faute que tu n'as pas commise. Tu seras lavée de tout soupçon, car la mère supérieure aime certainement la justice. Ne désespère pas, Candy. Dans ta solitude, dis-toi au moins qu'il vaut mieux que tu sois à ta place qu'à celle d'Elisa. Je suis sûre qu'elle doit être rongée par son mensonge et ses remords. Si méchante soit-elle, elle ne peut échapper à ses sentiments. Courage, ma Candy. Je suis près de toi, Dorothée. Ma chère Dorothée, j'ai déjà supporté beaucoup d'épreuves, mais je n'avais jamais été prisonnière dans une tour moyenâgeuse. La vie au cachot est sinistre. Je me réveille la nuit en faisant d'affreux cauchemars. Il y a plein d'araignées et j'ai peur des chauves-souris. La chouette n'arrête pas de ululer. J'entends des bruits étranges. Mais je crois qu'ils sont dans ma tête. Je ne supporte pas cette solitude. Enfin, Capucin a réussi à s'introduire dans mon cachot et tout a été beaucoup mieux pour moi. Capucin! Oh, mon Capucin! Si tu savais comme tu m'as manqué! Et tard dans la nuit, j'ai entendu un air d'harmonica qui m'a soudain réchauffé le cœur. Terry? Terry, c'est toi?
Ne perds pas courage, Candy. Je suis là. Mais comment as-tu fait pour venir jusqu'à la tour? Je croyais que tu étais puni, toi aussi. Au diable les punitions. Oh, quel bonheur, Terry. Grâce à toi et à Capucin, je ne pleure plus. C'est fini, Terry. Je suis forte et prête à affronter le pire. Et puis, je sais aussi que je ne serai plus jamais seule au monde. J'ai tant d'amis. Hélas, j'ignorais cette nuit-là que Terry me disait adieu en jouant de l'harmonica sous la fenêtre de mon cachot. Il s'est sacrifié pour moi, Dorothée. Il a fait intervenir son père, le duc de Grandchester, afin que je ne sois pas renvoyée. Et pour que le scandale soit étouffé, il a préféré quitter volontairement le collège. J'ai trouvé un billet qu'il a laissé pour moi dans sa chambre. Candy, j'ai décidé de quitter le collège. Je pars pour l'Amérique. Je veux y travailler, faire quelque chose de ma vie. Je ne souhaite que ton bonheur, Candy, où que je sois. Qu'elle est loin ton Amérique, Candy. Qu'elle est triste la vie sans tes amis. Le printemps d'Angleterre fait fleurir ses couleurs. Tu ne les vois pas, tu as gardé l'hiver dans ton cœur. Elisa, la perfide, a été confondue. Mais j'ai décidé, moi aussi, de retourner en Amérique pour travailler auprès de Mademoiselle Pony. Cette année passée au Collège Saint-Paul fut une grande année, Dorothée. J'ai dit un au revoir à Annie, à Patty, à Archibald et à Lister. Car nous nous reverrons, j'en suis certaine. J'ai repris mon baluchon et Capucin, bien sûr. Et je vais tenter d'attraper un bateau en partance pour l'Amérique. À l'instant de mon départ, Annie s'est jetée dans mes bras. Elle était bouleversée. Candy! Candy, attends! Ah, tiens, tiens, c'est pour toi. Je l'ai économisé sur mon argent de poche. Oh, merci, Annie. Je te le rendrai un jour. En effet, je ne suis pas bien riche et cet argent m'aidera. Au revoir! Au revoir, Annie! Nous nous retrouverons bientôt! P.S. Écris-moi poste restante à Guildford. J'y serai, j'espère, dans quelques jours. Ma chère petite Candy, je suis très inquiète à l'idée que tu veuilles prendre seule un bateau à Southampton. C'est déjà un long voyage depuis Londres. Comment feras-tu ? Pense aussi que lorsque tu es venue des États-Unis en Angleterre, Tante Elroy t'avait placée sous la protection du capitaine et que tes amis t'attendaient au port. Mais à ton retour, personne ne t'attendra. Et comment vas-tu payer ton passage ? Malgré le gentil geste d'Annie, et même si tu as cassé ta tirelire, je ne suis pas sûre que cela suffise pour régler ton billet. Tu es bien jeune pour affronter tous ces problèmes toute seule. Sois très prudente, Candy. Ne fais pas confiance à n'importe qui. Pour la première fois, me voici réellement inquiète pour toi. J'attends des nouvelles avec une grande impatience. Toujours près de toi, Dorothée. Dorothée, je ne suis pas encore arrivée à Southampton. Tu avais raison, j'ai perdu beaucoup de temps en cours de route. Comme je n'avais plus d'argent, j'ai dû travailler pour nous nourrir, Capucin et moi. J'ai lavé la vaisselle dans des auberges, en échange d'excellents repas. J'ai dormi dans des fermes, en échange de travaux dans les champs. Tout cela ne m'a pas ennuyée, bien au contraire. J'ai connu des gens simples et charitables.
Je suis hébergée dans une famille tout près de Southampton. Je garde des 3 petits-enfants, mais demain, je reprends ma route pour atteindre enfin le port. Je finirai ma lettre à Southampton. J'y suis enfin. Je n'ai pas pu m'acheter un billet dans une grande compagnie maritime, mais je me suis fait un ami. Il se nomme Cookie et traîne sur le port pour se faire engager comme mousse. Il veut absolument être marin. C'est un pauvre enfant, orphelin et errant. Oh, je voudrais tant que tu puisses entendre son drôle d'accent. Tu dois t'embarquer clandestinement sur un cargo de marine marchande, Candy. Faut te cacher dans la cale où il y a toujours des caisses vides qui traînent. Et fais gaffe, hein. Mais Cookie, je n'aurai rien à manger pendant la traversée. T'en fais pas, je te donnerai des provisions pour toi et ton rat. Dans les cales, il trouvera de la compagnie. Oh, mais Capucin n'est pas un rat. C'est un raton laveur américain. Va pour un raton laveur. Faut pas que t'aies de la peine. À ce moment, il a sorti un harmonica de sa poche. Sais-tu qui le lui a offert, cet harmonica, sur lequel il s'est mis à jouer? Tu devines, n'est-ce pas, Dorothée? Oh, Cookie joue encore. Tu me rappelles un ami qui m'est très cher, Terry. Quoi? Tu connais un Terry, toi aussi? Tu l'as vu, ici, à Southampton? Quand? Est-il encore là ou déjà parti? Doucement, doucement. Une seule question à la fois. Comment il est, ton Terry, à toi? Il est grand, très brun et très triste? Terry. Oh oui, c'est le portrait de Terry. Je l'ai rencontré par une nuit de brouillard. On voyait pas deux pas et... Aïe! Vous ne pouvez pas faire attention? Dans cette purée de pois? Si c'est pas moi qui vous rentrais dedans, c'était vous. Bon, d'accord. Est-ce que tu connais un bon hôtel, pas trop loin? Vous pouvez pas mieux tomber. Je connais Southampton comme ma poche. Suivez-moi, monseigneur. Cookie m'a dit que Terry l'avait invité à dîner. Parce qu'il avait compris qu'il ne devait pas manger tous les jours. Ainsi, tu t'appelles Cookie? Je suis sûr que ce nom plairait à Candy. Candy, c'est ta copine? Oh, ça va, j'ai rien dit, je veux pas être indiscret. Oh, quelle belle harmonica. Vous me le prêtez? Il te fait envie? Écoute, je ne le prête à personne. Mais demain, j'irai t'en acheter un. Et je t'apprendrai à en jouer. Promis? Terry, t'es un frère. Il m'a acheté un harmonica encore plus beau que le sien. J'en ai joué quand son bateau a largué les amarres. Et je me suis dit, j'en ai vu des gens s'embarquer au port. Mais ce gars-là doit laisser son cœur derrière lui. Et ce cœur est bien pris par cette Candy, sûr. Quand il m'a dit ça, toute ma peur s'est envolée. J'ai cru voir un grand bout de ciel bleu. Je pars demain pour l'Amérique. Je vais rejoindre ma vraie famille. Souhaite-moi bonne chance, Dorothée, et croise les doigts pour moi. Je t'embrasse de tout mon cœur, Candy. Enfin, enfin des nouvelles de Candy. Tiens, le timbre est américain. Elle est arrivée. Oh là là, mais c'est pas une lettre, c'est un véritable journal. Ma chère Dorothée, imagine un vieux cargo tout rafistolé qui tangue fort sur l'océan. Capucin et moi, nous avons commencé le voyage à fond de cale, enfermés dans une caisse. J'entendais des bruits suspects partout. Comme toi, sans doute, j'ai une peur bleue des rats. Heureusement, je n'en ai vu aucun. Avant de partir, Cookie m'avait averti de ce que l'on fait aux passagers clandestins s'ils sont découverts. On les fait prisonniers. Et puis, dès que l'on croise un bateau qui fait route dans l'autre sens, on les transfère à son bord. Dans la caisse, je pensais tout le temps à ça. Pendant plusieurs heures, je n'ai eu comme distraction que la musique des sirènes des bateaux qui se salvaient tous en sortant du port. Et puis, j'ai décidé, beaucoup plus tard, de sortir de la caisse. Oh, je voulais que Capucin prenne l'air. C'est pas une vie pour un raton laveur d'être passager clandestin. Je suis sortie à quatre pattes, dans le noir, et... Ah! Chut! Ne crie pas! On va venir si tu cries. Cookie? C'est toi, Cookie? Bien sûr que c'est pas le capitaine. Oh, tu peux te vanter de m'avoir fait peur. Et toi de m'avoir surpris. Tu n'es pas mousse alors? Ni mousse, ni marin. Seulement clandestin comme toi.
Dorothée, j'étais tellement heureuse de retrouver Cookie. À deux, c'est beaucoup plus facile de partager les difficultés. Cookie est agile et malin et brave. Alors, il a réussi à chipper la clé du magasin où l'on range les vivres. Et il nous a apporté un peu de pain et du fromage. Plus tard, je l'ai suivi. Hélas, il a été pris la main dans un sac de pommes. Deux marins très brutaux se sont jetés sur lui en criant. J'étais terrorisée. Ces marins détestent les passagers clandestins parce qu'ils redoutent la colère du capitaine. C'est, paraît-il, un homme dur qui applique une discipline de fer. C'est ce que les hommes ont crié à Cookie. Tous deux l'ont empoigné sauvagement et jeté par-dessus bord, car nous étions encore en vue des côtes d'Angleterre. Vous êtes fous ? Vous n'allez pas le noyer parce qu'il a volé une pomme ? Plongez immédiatement pour le sauver ! Ce n'est pas encore un homme ! Cours ! Au secours, que dis-je ? Je me noie ! Nage, Cookie ! Oh, mon Dieu ! Il se noie pour de bon ! Et que faire ? Ah, une corde ! Tiens bon, Cookie ! Et attrape ! Bravo ! Oh, oh, ces brutes ignorent que je suis américaine et championne de l'assaut ! Oh, Iss ! Aidez-moi ! Doucement ! Doucement ! C'est pas un colis ! Ah ! Oh, tu es sauvée, Cookie ! Il s'est évanoui ? Oh, vite ! Emmenons-le à l'infirmerie ! Mais où est le médecin de bord ? Dorothée, tu vas pas me croire. Il n'y a pas de médecin de bord. On embarque tout un équipage pour un long voyage très dangereux et l'on ne se soucie pas d'engager un médecin. Heureusement, je suis une bonne infirmière. Je reste auprès de Cookie. Tous deux, nous attendons la visite du capitaine et j'ai peur qu'il soit très en colère contre nous. Le capitaine est arrivé furieux. Il criait très fort. Il a dit que nous étions des profiteurs et des paresseux. Quand on veut découvrir le Nouveau Monde, on travaille pour payer son voyage. Il a refusé d'écouter nos explications et décidé de nous transborder sur un autre cargo le plus tôt possible. Un cargo qui fait route vers l'Angleterre. Sur la chaloupe qui nous conduisait à ce bateau, je me consolais en pensant que nous avions au moins échappé à la prison. Soudain, des signaux nous ont ordonné de faire demi-tour et de regagner immédiatement notre vieux navire. Une tempête s'annonçait et le capitaine n'osait risquer nos vies. Notre vieux bateau à vapeur tangue sur une houle très forte. Sur le pont, les marins courent en tous sens pour arrimer la cargaison. On nous jette une échelle de corde pour grimper à bord. Oh, j'ai rassemblé tout mon courage, Dorothée, car c'est beaucoup plus difficile que de grimper aux arbres, tu sais. Aussitôt à bord, le capitaine hurle, les mômes, à fond de cale. Et c'est là que je continue à écrire, mais tout de travers. Je veux pas crever dans ce trou noir. Je vais aider les hommes d'équipage. Non, Cookie. Ou alors je vais avec toi. Au même moment, des caisses dégringolent sur Cookie. Il est coincé dessous. Il hurle de douleur. Ah ! Cookie, je vais chercher du secours. Vite, Candy. J'ai mal. Oh. Je vais mourir. Courage, Cookie. Tu dois avoir une jambe cassée. On va te tirer de là. J'ai couru chercher deux marins pour dégager Cookie. Plus tard, il a eu une crise de désespoir. Il était persuadé qu'il allait rester paralysé et qu'il ne pourrait jamais être marin. Mais j'ai réussi à le rassurer. Cookie réalisera son rêve. Sa blessure ne paraît pas grave. Je suis restée auprès de lui pendant tout le voyage. Le cargo a réussi, malgré la tempête, à faire route vers l'Amérique. Et le capitaine, qui est sans doute moins cruel qu'on ne le dit, a consenti à nous garder à bord. À l'aube du 8e jour, nous apercevons enfin la côte américaine. L'océan est calme aujourd'hui, et j'écoute les cris des mouettes. Nous touchons au port. Oh, je suis si heureuse! Cookie, regarde! Nous sommes sauvés! Nous sommes arrivés! Dès que je toucherai terre, j'irai poster ce journal de bord. Écris-moi chez Mademoiselle Pony. C'est ma vraie maison. Je t'embrasse très fort. Ta Candy. Candy.
Candy. Merci, Candy. Jamais tu ne t'avoues vaincue et tu fais toujours front. Tu me rappelles la petite chef de Monsieur Seguin, celle qui se battit toute la nuit. Mais toi, au matin, le loup ne te mangea pas. Je te remercie pour toutes tes lettres qui m'ont souvent fait passer du rire aux larmes. J'espère que ton volumineux journal de bord, écrit sur le cargo, ne met pas un terme à notre correspondance. J'attends encore plein de lettres de toi. Dis à Mademoiselle Pony, à Sœur Maria et à tous les enfants de l'orphelinat que je les aime. Et garde pour toi, petite sœur, la meilleure part de mon affection. À bientôt. Dorothée du bout du monde qui t'embrasse par-delà l'océan.